Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Bonne année 2017. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo dans un environnement un peu plus naturel pour coller avec le sujet. Et je peux dire que je regrette déjà cette décision parce qu'il fait très très froid. Oh non, il va encore nous faire le coup du vegan moralisateur sur il faut pas manger d'animaux, c'est des êtres vivants. En plus, qu'est-ce que tu vas filmer dans le parc pour faire genre t'aimes la nature? Il fait 0 degré. Moi, je me les pèle pas dehors, je reste bien au chaud dedans. Non mais partez pas tout de suite, je suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour présenter mon expérience et vous faire part des raisons pour lesquelles je suis devenu végétarien, puis récemment vegan. Et c'est quoi le rapport avec la chaîne YouTube? Je pense qu'une véritable démocratie ne peut exister que si l'homme apprend à respecter le vivant et à se penser lui-même comme un animal. Parce que oui, l'homme est un animal scientifiquement parlant. Dans cette vidéo, je vais présenter dans l'ordre chronologique les 5 raisons qui ont fait que je suis passé d'omnivore à végétarien puis vegan. En faisant ça, j'espère convaincre certains que ce n'est pas juste un délire de hipster, mais vraiment un choix politique et philosophique. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais faire une rapide définition de végétarien et vegan. Végétarien, c'est quand tu décides de ne plus manger de viande ni de poisson. Et vegan, c'est quand tu pousses encore plus loin l'idée de contrer toute exploitation animale et que du coup tu ne portes plus de cuir et tu ne bois plus de lait par exemple. Je vais l'expliquer dans la suite de la vidéo, mais je ne suis pas passé de omnivore à vegan du jour au lendemain. Ça a été un processus assez long, plutôt difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de changer de régime alimentaire tous les jours. Déjà, je suis français, et la France compte parmi les pays qui ont la plus petite proportion de végétariens du monde entier. Seulement 2% de la population française est végétarienne, alors que même aux États-Unis, ils sont plus de 15%. En plus, pour ne pas faciliter les choses, je viens d'une famille qui refuse de comprendre l'idée même de devenir végétarien. Pour eux, c'est totalement con, extrémiste, tout ce que vous voulez. On leur a toujours appris à manger de la viande. Alors pourquoi remettre en cause ce qu'on leur a appris toute leur vie? Voilà, tout ça pour dire que jusqu'à mes 18 ans, rien ne me poussait à devenir végétarien. Ni mon pays, ni ma famille, ni mes amis. Et même moi, je trouvais que les végétariens, c'était con ce qu'ils faisaient. Et pourtant, plusieurs raisons ont fait que j'ai bien dû changer d'avis. Autour de mes 18 ans, j'ai commencé un peu à réfléchir par moi-même, notamment grâce à la philo, et du coup je critiquais tout ce qu'il y avait autour de moi. Ce qui fait que j'ai commencé à comprendre l'ampleur du réchauffement climatique, et surtout à devenir un fervent défenseur de l'environnement. C'est là que je suis tombé sur plusieurs travaux scientifiques et documentaires qui expliquaient à peu près tous la même chose, c'était que la consommation de viande dans le monde est responsable directement et indirectement de 50% des émissions de CO2. En d'autres termes, un végétarien pollue 50% de moins qu'une personne qui mange de la viande normalement. Greenpeace explique même que l'élevage bovin est directement responsable de 80% de la déforestation en Amazonie. Et il y a encore une centaine d'autres exemples qui montrent que manger de la viande, c'est une aberration environnementale. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, c'est très intéressant. Je commençais donc à me dire que ce serait pas une mauvaise idée de devenir végétarien pour préserver l'environnement. Et j'étais pas le seul à penser ça, puisque j'ai fait la rencontre en prépa d'une amie qui s'appelle Morgane et qui était végétarienne pour la même raison. Elle m'a motivé à devenir végétarien et du coup pendant un an j'ai réduit petit à petit ma consommation de viande. Déjà je mangeais plus de viande à la cantine le midi, parce que de toute façon on est d'accord pour dire qu'elle est dégueulasse. Voilà. Et puis vu que j'étais en internat, le soir il y avait aussi la cantine et du coup je ne mangeais plus de viande mais je mangeais du poisson à la place. Voilà, donc de décembre 2014 à septembre 2015, je suis devenu progressivement végétarien, mais en continuant de manger du poisson, parce que je pensais que ça polluait moins. Puis ensuite, en septembre 2015, je me suis rendu compte que le poisson, ça polluait tout autant, voire plus, parce que c'est directement dans l'eau. Et du coup, c'est là que je suis devenu 100% végétarien, pour préserver l'environnement. Donc je sais à quel point c'est difficile de devenir végétarien. Je l'ai fait tout ce chemin, donc je vais pas vous dire de devenir végétarien du jour au lendemain. Par contre, je peux vous dire que quand on y va progressivement, finalement, c'est pas si difficile que ça et on y arrive très bien. Mais vous vous doutez bien que si la raison environnementale était la seule, j'aurais pas arrêté à 100% de manger des animaux, j'aurais continué lors de certaines occasions. Le truc très simple à comprendre, c'est que pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 16 000 litres d'eau et 15 kg de céréales. Alors que pour produire 1 kg de blé, il faut seulement 1000 litres d'eau. Il faut savoir que 70% des terres cultivables dans le monde servent à la production de viande. Alors soit indirectement en produisant de la nourriture pour les animaux, soit directement, c'est-à-dire pour les places, pour l'élevage. Ça veut dire que si on arrêtait de manger de la viande, on gagnerait 70% de places de terres cultivables pour produire des végétaux et nourrir l'humanité. Être végétarien, ça devient alors une question d'éthique.
Est-ce que je peux continuer à manger autant de viande en sachant très bien qu'en faisant ça, je vole des terres aux autres pays qui n'ont même plus de place pour produire de la nourriture pour leur propre population? Si on arrêtait de manger de la viande, on aurait assez de place pour cultiver des végétaux divers et variés pour le monde entier. On n'aurait plus besoin de créer des OGM ultra puissants pour faire en sorte que les rendements augmentent. Ouais, mais tout le monde sait que pour être en bonne santé, faut manger de la viande. Attention, là on arrive à un point que moi aussi j'ai mis beaucoup de temps à admettre, c'est que manger de la viande, en fait c'est pas bon pour la santé. Par exemple, récemment, l'Organisation Mondiale de la Santé a expliqué que manger de la viande rouge, c'était cancérogène. En plus, un régime carné fait beaucoup plus grossir. Aux États-Unis, 65% de la population est en surpoids, et en France, 37,5%. Et la consommation de viande est souvent liée au surpoids. Et même si on peut remettre en cause, sous certains aspects, le fait que la viande soit mauvaise pour la santé, on ne peut pas remettre en cause le fait qu'il existe des protéines végétales qui permettent aux végétariens d'être eux-mêmes en bonne santé. Ouais, mais les végétariens, c'est des gens tout maigres et malades aussi. Pour répondre à ça, j'ai même pas besoin d'utiliser de chiffres ou quoi que ce soit. Regardez juste autour de vous. Peter Dinklage, James Cameron, Pamela Anderson ou même encore Spider-Man. Ils sont tous véganes. Et pourtant, ils sont en très bonne santé. Et je veux dire, regardez-moi. Je suis végétarien depuis 2 ans. Et pourtant, à ma dernière prise de sang, parce que oui, mes parents m'ont obligé à faire une prise de sang pour me prouver que j'avais des carences. Et ben non, le médecin a dit que tout allait bien. Je suis autant en forme qu'un omnivore. Oui, cette raison arrive bien tard, et pourtant c'est celle qui me motive le plus aujourd'hui à être vegan. Vous pouvez trouver ça con de considérer que la vie d'un chien a autant d'importance que celle d'un homme, mais c'est une opinion politique et philosophique. Déjà, est-ce qu'on peut assurer qu'on est plus intelligent que des fourmis par exemple? On est quand même la seule espèce qui se fait la guerre tout le temps, qui a développé des armes capables de détruire la planète, et qui, si on les utilise pas pour détruire la planète, on le fait par notre mode de vie. En plus, même si vous décidez de considérer que votre vie vaut plus que celle d'un chien, est-ce que vous cautionnerez le fait qu'on le tue devant chez vous et qu'on vous le donne à manger? Non? Pourquoi? Pourquoi vous accepteriez pas qu'on fasse ça à un chien alors que vous acceptez qu'on fasse ça à un cochon par exemple? Alors qu'en réalité, le cochon et le chien sont des animaux très semblables. Parce qu'on nous a appris ça. On nous a appris que le cochon s'était fait pour donner du saucisson et que le chien s'était fait pour apporter le journal. Mais dans d'autres cultures, on a appris autre chose. Ce qui fait que par exemple en Chine, on mange du chien. Mais ouais, mais est-ce que vous croyez vraiment que les animaux, leur fonction première sur cette planète, c'est de nourrir l'homme? Non, c'est des êtres vivants à part entière. Ils ont des sentiments, ils peuvent reconnaître leur famille, être amoureux, réfléchir, sentir la douleur. Ils sont pas là uniquement pour nous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille l'excellente vidéo de Didi Chandouidoui sur l'histoire du véganisme. Il explique que l'homme a toujours été en majorité végétarien jusqu'au Moyen-Âge. Pourquoi jusqu'au Moyen-Âge? Parce que c'est là où l'Église catholique a resserré son emprise sur la société et a expliqué que l'homme était créé à l'image de Dieu et que les animaux étaient là seulement pour nourrir les humains. C'est là où on a commencé à tuer en masse et à respecter de moins en moins le vivant. 65 milliards, c'est le nombre d'animaux, d'êtres vivants que l'homme tue chaque année pour sa consommation. Comment on peut rester insensible à ça? C'est simple, en fermant les yeux, en ne regardant jamais les documentaires sur le sujet, en ne regardant jamais les vidéos qui montrent l'intérieur des abattoirs et les conditions de vie et de tuerie des animaux avant qu'on les ait dans l'assiette. Justement, c'est en ne remettant jamais en cause ce qu'on nous a appris qu'on tombe dans des situations comme celle-ci. Et moi j'en avais marre. J'en avais marre de croire sans jamais réfléchir par moi-même. Cette raison, elle n'est pas arrivée à la fin. Elle a été là tout au long de mon passage d'omnivore à vegan. En fait, j'en avais marre des conneries que racontaient mes proches quand ils me disaient que les végétariens, c'était des gros débiles qui étaient en mauvaise santé. Je veux dire, je me suis renseigné avant de devenir végétarien. J'ai lu une tonne de trucs dessus. J'ai rencontré des gens végétariens. J'ai bien vu ce qu'était la réalité de la chose. Eux, ils avaient quoi pour me dire que les végétariens, c'était des gros débiles? Mais rien. C'est juste qu'ils en connaissaient pas. C'était l'étranger, ils connaissaient pas, donc ils avaient peur, ils disaient que c'était nul. Parce qu'ils avaient toujours appris comme ça. Jamais remis en cause ce qu'ils avaient appris. C'est comme quand on nous dit qu'on est en démocratie parce qu'il y a des élections. Non! Remettez tout en cause! Critiquez! Arrêtez juste de subir les connaissances. Appropriez-les-vous en les construisant. Je veux dire, combien d'entre vous ont réellement réfléchi à pourquoi ils mangeaient de la viande? Je sais très bien que c'est difficile d'arrêter de manger de la viande. J'en ai moi-même fait l'expérience. Mais je veux dire, posez-vous la question, pourquoi réellement vous mangez de la viande?
Bah, généralement, c'est par habitude, parce que vos parents en faisaient quand vous étiez petit, parce que les gens autour de vous en mangeaient, parce qu'on vous a toujours dit que c'était bon. Mais si on remettait ça en cause, et si on arrêtait de croire tout ce qu'on nous dit, et si on commençait à réfléchir par nous-mêmes, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait très certainement une société où plus personne n'irait voter déjà parce qu'on comprendrait que ça sert à rien. Ensuite, plus personne n'aurait peur des étrangers parce qu'on saurait qui ils sont réellement. Et puis finalement, plus personne ne mangerait de viande, ou du moins beaucoup moins de viande, parce qu'on comprendrait à quel point c'est absurde. Je suis devenu vegan très récemment pour continuer en fait dans une action que je pense juste. Mais surtout, la raison principale qui a fait que je suis devenu vegan, c'est pour faire chier toute ma famille, voilà. Parce qu'ils arrêtent pas de me dire que je suis un gros débile, alors moi je veux leur prouver qu'ils ont tort et qu'on peut vivre une très belle vie sans manger de viande. J'ai pas fait cette vidéo pour vous convaincre ou vous pousser à devenir végétarien. Je l'ai fait pour vous montrer que c'est possible et qu'avec un peu de volonté, tout le monde peut le faire facilement. Et puis, bon, je sais que cette phrase va vous faire marrer, mais on se sent tellement mieux quand on a plus de sang sur les mains. Et ça, tous les végétariens vous le diront. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai énormément galéré à la faire parce que putain, il fait froid. Ah, je referai plus jamais ça, hein. C'était la pire idée de ma vie. Mais j'espère que ça rendra bien. Allez, à dans 2 semaines. Hop, 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 partez pas tout de suite. Vous pouvez regarder d'autres vidéos juste ici et vous abonner juste là. Et puis, si vous pouvez laisser un pouce en l'air et partager la vidéo, ça fera grandement grandir la chaîne. N'oubliez pas non plus que dans la description de la vidéo, je mets toujours toutes mes sources. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à la prochaine !